Débattre, des heures, s'invectiver. À Poitiers comme ailleurs, les manifestants de mai 68 refont le monde. On sentait qu'on faisait quelque chose de fort, d'inédit, qu'il s'agissait là, non pas d'un mouvement révolutionnaire au sens d'un grand air, mais qu'on était dans la bonne tradition française, de la Révolution française, de la Commune de Paris et de la Révolution bolchevique. C'était un espoir, l'espoir d'en finir avec le capitalisme et de la domination de la finance. Voilà. Il n'y avait pas un fossé entre les communistes et les gauchistes. Hein. On était tous ensemble dans l'amphi Descartes, baptisé Lénine. Mais au-delà de ces longues discussions politiques, le quotidien des Poitevins se fait difficile. Le pays est bloqué depuis bientôt un mois. Plus de trains, plus de courriers et les pénuries. Alors le 31 mai, les gaullistes contre-attaquent dans la rue. C'est en écho à la grande manif de Paris. Aussitôt, on reçoit de partout des coups de fil, des messages partout. Qu'est-ce que vous faites? Je sens bien monter effectivement de la campagne une exigence profonde de manif. La violence qu'ils avaient subie jusqu'ici, ils veulent la retourner. Les gauchers n'ont pas vu le côté populaire du gaullisme. De Gaulle, c'était une image très forte dans le pays. 10 000 personnes annoncent les gaullistes pour cette contre-manifestation poitevine. Encore aujourd'hui, un comptage contesté. Mais le résultat des urnes, lui, ne peut l'être. En juin 1968, les Picto charentais envoient 11 députés de droite au Parlement pour 14 sièges à pourvoir. Il n'y a pas un contre-pouvoir prêt. Et là, il y a eu un vote. Jamais on n'a tant vu de députés, c'était trop, mais enfin c'est comme ça. La réaction a été très rude. Une victoire de cette importance nous impose des devoirs, a dit M. Pompidou. Le premier sera bien sûr de ne pas en abuser. Les gens ont eu peur, mais peur parce que ça brûle dans la rue, parce qu'il n'y a aucune perspective de gouvernement, et que les gens se disent, mais depuis 10 ans, ça va quand même pas si mal. Et qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? On a acheté la maison aussi, les paysans ont emprunté et tout. Bon. Donc, immédiatement, on ne suit plus les aventuriers. Je me souviens sur toutes ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Vous avez une peur existentielle qui a fait le travail pour les politiques. Le Parti communiste français en particulier sera très renforcé des élections. Dans la circonscription, ici, nous faisons 30% des voix. Les gaullistes et De Gaulle réussissent à reprendre la situation en main, en ayant été contraints, n'est-ce pas, d'accepter des résultats extrêmement positifs pour les salariés. Tout a été réparé. Voilà la page qui vient d'être inscrite au livre tourmenté de notre histoire.